Donc, tu as dit, c'est bon, souvent, on n'a pas tout donné. Spoutin, là, ils ont ça. C'est bon. Pour vente, là. Tu ne donnes pas. Mais tu as me donné mon bébé. Caribi, c'est. Tu as me donné ça. Je vais te donner, maman. Oui, mon bébé, oui. Et quand tu bois ton thé la nuit, le matin, tu vas faire ton popo comme il se doit. Avec deux ou trois fois. Ça va dépendre de ton organisme après. Et voilà. Et je ne mange plus après 21h. Le truc, c'est que c'est pas manger tard qui est un problème. C'est le fait de manger et d'aller dormir directement qui est un problème. Ok. Et par exemple, si tu manges même à 21h et qu'une heure après tu dors, ben, tu es en train de laisser ton corps garder la graisse que tu as ingurgité, se propager dans ton corps et former une mauvaise graisse. Mais quand tu finis de manger, moi je finis de manger par exemple à 18h, 19h, 20h, et que je sais que je vais être encore là en train de chiller ou de causer, donc 2 heures après je vais dormir vers 23h, mon corps a eu le temps d'absorber toute la mauvaise graisse, en fait plutôt de rejeter toute la mauvaise graisse et d'absorber la bonne graisse. Et avant d'aller dormir, je bois encore mon eau tiède au citron, plus tout simplement mon thé, et je dors. Donc la nuit avant de dormir, tu prends de l'eau tiède. De l'eau tiède citron. Oui. Avec du thé. Voilà, avec mon thé. Et ça, c'est tous les jours. Ça est devenu comme. C'est comme quand je prie. De toute façon, je ne peux pas me passer de la prière. Je ne peux pas me passer de ça. L'eau tiède, thé. Mon eau tiède citron avec mon thé. Le matin, quand je me réveille, je bois de l'eau à jeun. Quand je finis de boire mon eau à jeun, là, je bois de l'eau tiède avec du citron. Mais mon bébé, thé que tu vends là. Je ne vends plus. Faut vendre les caviar, tu regardes les Emma Love, les Poutchou Love. Peut-être que ça les intéresse. Non, ils ont qu'à prendre pour les autres qui mangent. Ils ne vendent plus. Tu ne vends plus. Hey, mon bébé. Je vais te donner à toi. Puis quand ils vont voir le résultat, ils vont voir que moi, comme ça, chez moi, ici, il n'y a pas de flow. Tu vas voir comment ça s'est cassé. Cassé. Ils vont comprendre que je ne suis pas dans la plaisanterie, mais je ne vais pas leur donner. Eh, hey, mon bébé. Mais en tout cas, si. Moi, si on me donne la yel, il a été trahi. Parce qu'il a montré mes caviar. Yeah. Oh, mais mon bébé. Je vais beaucoup mettre dans un sachet. Noir pour une te donner. Là, tu vas pas voir. Ah, mais je comprends. Ce qui veut dire que, en fait, le secret du bon plat, il faut pas manger après 21h. Voilà. En fait, les gens ont tendance à dire ne mange pas après 18h. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est vraiment n'importe quoi. 18h peut passer parce que tu es souvent dans les embouteillages en train de courir et tout. C'est ça. Quand tu vas dire ça à quelqu'un, tu vois que la personne ne va pas manger, va se priver. Mais plus tu prives ton corps de ne pas manger, c'est lent parce que ton organisme est en train de s'habituer difficilement à ce que tu puisses accepter ça. On a tous l'habitude de manger tard, nous les Noirs surtout. Donc après 21h. Les nourritures agressives. Voilà. Après, mange ce que tu as à manger. En mange. Tout cas, je m'en prive pas. Voilà. Mais bois ton eau tiède là. Et ton truc, tu peux boire mon thé. Tu peux pas dormir. Ce qu'est-ce que ça va te réveiller pour que tu ailles faire popo. Le popo en question. Tu seras réveillé. C'est la graisse. Tu vas voir que ça y aura la glaire dedans. Oui, mon bébé, pardon. Tu es venu avec? Non. Eh, hey, tu m'as tué. Parce que là, l'été est arrivé. Mais je m'en vais où tu sais, là, pour venir. Ah oui, tu vas venir avec. Il a venu te donner. Oui, oui, mon bébé, oui. Ça a cassé sa peau. Il faut que ça casse, mon bébé. Parce que c'est l'été. C'est l'été. Parce que mon bébé est passé. 5 kilos. Moi, j'ai perdu quoi 5 kilos en un mois. Là, je vais perdre encore 5 kilos. Plus. Parce que quand j'étais au gala de la première dame, tu m'as dit, tu as suivi le régime. Tu te rappelles même pas un mois. Il a limé ça. Tu as limé ça. C'était trop sûr, c'est quoi? Tout ton hôtel, j'avais du mal à commencer. Je tombais parce que je veux manger. Et puis, je ne prenais pas au sérieux. Et là, j'ai dit non, après, je vais prendre. Après, tout le temps, j'étais en mode. C'est ce qu'on appelle l'excusité. J'étais en mode non, je trouvais une excuse. Non, demain, je vais faire mon régime. Demain, je vais faire mon régime. À force de faire ça, bah, tu ne fais pas du tout ton régime. Du coup, tu te laisses grossir et puis tu dépasses les kilos qu'il faut pour ta taille. C'est ça. Parce qu'en fait, selon ta taille, il y a un poids à avoir. À respecter. Voilà. Et je me suis dit un matin, je ne me respecte pas en ne suivant pas mon régime, en ne suivant pas ce que j'ai dit que j'allais faire. Tu vois? Pourtant, si tu remarques un moment, quand tu as un rendez-vous d'affaires, quand tu dis que tu vas là ton rendez-vous d'affaires, ou bien quand tu dis oui, tu as un tournage, on dit perds 4-5 kilos. Quand on te met une pression parce que tu as un tournage, tu le fais. Pas. Non, tu le fais. Moi, je le fais. Moi, j'ai perdu 15 kilos pour le mec idéal. En un mois. Wow. 15 kilos. C'est pour ça que j'ai déjà donné mon secret. Je mangeais que de la papaye et du citron pendant un mois. J'ai perdu 15 kilos. Mais après, je suis tombée malade. Ah ouais, j'imagine. Ça, c'est. Hey, papaye et citron, ça, c'est nourriture. Papaye et citron pendant un mois. Moi, je suis habitué aux nourritures agressives. Papaye va me faire quoi?
Il me faut mon placali. Non, mais placali, c'est pipi. C'est pas grave. Placali, un sauce gombo. Mais quand il revient là, on va manger où j'ai dit. Où tu as dit là, c'est où mon bébé? Faut dire en même temps, parce qu'il faut que mes caviars sachent que d'ici quelques jours là, je vais me retrouver dans un endroit. Il vient en nord. Oui, on s'en va. On va manger ça. On va manger la viande. Oui, il y a la viande. La dernière fois, j'ai pris deux. La prochaine fois, on en prendra trois. Mais la dernière fois, quand tu étais là-bas, mon bébé, où tu t'es assise là? C'est les stars qui s'asseyent là-bas. Oui, en fait, ils regardent ton, ta popularité avant de t'installer là-bas. Donc, c'est-à-dire que si tu vas, tu ne peux pas t'installer comme non, ça. Non, non, non. Tu ne peux pas te mettre où il y a le derrière rouge là, mm-hmm. avec le nom de Beef Cuts derrière. Mm-hmm. Si tu n'es pas une star, si tu n'es pas quelqu'un de d'influent, mm-hmm. parce qu'ils regardent en fait ton truc, quand tu appelles pour donner ton pour réserver, mm-hmm. quand ils voient que tu n'es pas quelqu'un d'influent en fait, mm-hmm. limite, ils ne te posent pas. Non, mais influents sont supérieurs quoi. Voilà, ils donnent d'influents et influents. Tu peux être influent, tu arrives, tu t'assois pas là-bas. Il ne t'installe pas là-bas. Bon, en tout cas, moi, les deux fois où je suis. Là, il y a catégorie dans catégorie. Il y a catégorie, c'est toujours comme ça. Les deux fois où je suis allée là-bas, ils ont regardé. La première fois, ils ont regardé mon Instagram. J'ai demandé même à lui qui a booké, à mon chauffeur. Mm-hmm. Mais pourquoi il dit ah, c'est ce qu'ils ont demandé, que je suis qui ? Avant de savoir où ils vont m'installer. Et puis, ils ont réussi à faire plus de 3 millions. Ils ont dit ah, ok, on va l'installer à cette place. Mm-hmm. Voilà. Donc je dis, oh, bah, ok, super. Donc la deuxième fois, bon, comme ils me connaissaient déjà, dès qu'on a appelé, bah, ils m'ont replacé dans ce même endroit, en fait. On va partir, non? Regarde, nous, on va rien montrer, quoi. Elle va monter sur. Oh, mais si vous voulez même, on va ce soir. Pour nous, là, c'est un virage. Pourquoi c'est un virage, mon bébé? Pourquoi? Non, mon bébé, tu sais, mon bébé, il y a des choses. C'est elle qui m'a envoyé Instagram. En fait, les gens de l'Europe, ils considèrent plus Instagram que Facebook. Mais c'est comme ça. Les gens de l'Europe, des États-Unis, pas. Des États-Unis. Mon bébé, Instagram, nous tous, on est suivis là-bas. Ton maman, on va ce soir ou bien on va quand je reviens? C'est comme tu veux, mon bébé. Où je suis là, je peux même appeler la dame, elle va récupérer les enfants, elle va s'occuper des enfants. Et où je suis là, aujourd'hui, où je suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Papa, je viens de te remercier, mon papa, je n'aime pas. Eh, pardon, ils sont en train de rigoler, oh. Faut pas les gens vont prendre. Tu le connais. Ah. On dit que c'est mamie, c'est l'auto. Quand leur vie pèse dans la difficulté, là. En même temps, ils sont en train de chercher à créer le problème aux gens que leur vie. Pourtant, ils sont en train de m'amuser. La vie mielleuse. Ah. Eh oui. Pourtant, ils sont en train de m'amuser. Oui. Le dit là. Donc ce soir même là, on peut aller. Moi, ils ont vu que je passe un coup de fou et on y va. Il y a le gigot. La dernière fois, j'ai pris deux côtes d'agneau. Oui. Et hier même, je voulais aller prendre le gigot. Après, j'ai fatigué, j'ai dormi. Oui, c'est très, c'est cuit. C'est cuit. Oui, parce que ce qu'ils ont servi au-delà, c'est pas cuit. Oui, c'est au projet là. Donc, projet, maman, projet, c'est quoi? C'est la maïs là. Non, c'est ça, c'est pas cuit là-bas, c'est frais. Oh. Tartare là, c'est pas. Tartare là, mais maman, il y a mis dans ma bouche, mais maman. Comme il était venu faire la galère, il a continué de dire. Qu'est-ce que c'est rouge pour aider à ta maman? Non, tartare, c'est pas cuit. C'est comme pour carpaccio et tout là. J'ai pris c'est un peu de faire boisson pour essayer d'amener. Donc, maintenant, on appelle ça le tomahawk. On va prendre le tomahawk à base d'or et puis les côtes. Si vous êtes ok, moi j'appelle, on va à 21h. Le téléphone a déjà appelé la dame, là, va récupérer ici. Parce que je suis là. Oui. Donc on va ce soir, ok. On va faire tomahawk, tamahawk. Oui. Là, c'est une journée au caviatique. Oui. Au calibre. D'ailleurs, qu'on est sur les champs, ils sont en train de boire 3 runas. Merci, mes bébés, merci. Mes bébés disent, on peut pas t'installer ailleurs, c'est toi après tout. Merci, mes amours. Donc voilà. De toute façon, j'ai travaillé pendant quoi? 2 mois. Ah, tu as travaillé. Sans dormir. Mmh. C'était un très beau tournage que vous allez adorer, ça sort bientôt. Mais c'était fatigant, stressant, parce que c'était. C'est une télé-réalité, hein? Oui. C'est mais oui, c'est une télé-réalité. Mmh. Et tout, mais c'était quelque chose de très très bien que vous allez adorer, qui est une première en Afrique. Mmh. Voilà, c'est une première en Afrique. Je ne vais pas vous donner trop d'indices, mais je vais juste vous dire à vous, mes Emma Love, mes Puchu Love et mes Caviar Love, que vous allez être fiers, tout simplement. Ça va sortir très, très bientôt. Donc voilà, j'ai des vacances méritées. Alors avec des gens que j'aime. Voilà. Donc, on va vivre la vie
plus que celle de Papa Louga. Mm-hmm. Sans l'insulter, bien après sûr. Le travail. À son temps, il a fait. Okay, on va tout simplement emboîter le pas à notre Papa Louga. Voilà, pour vivre la vie. Il y a Papa Kabia qui vous dit merci pour le message. Il dit, oh là là, merci, c'est chic. C'est beau. Merci beaucoup à vous. Il est chic même comme maman. Il dit, oh là là, c'est chic. Comment on peut être comme sa femme comme ça? Oui. Il dit, oh là là, c'est chic. Merci à vous. C'est le meilleur papa. Oui, donc c'est télé-réalité. Moi, vraiment, si j'avais marié, ça avait un monsieur comme ça, ce n'est pas la peine. Ah, il doit comprendre ma ça. Vie. Ah. Il doit comprendre qui je suis. C'est ça. Il doit comprendre mes délires. Mm-hmm, mm-hmm. Le voilà. Monsieur là, il est formidable. Voilà. C'est clair que la personne avec qui je suis mm-hmm. est adorable et tout. Me comprend. Mon bébé. Et s'il n'est pas adorable là, non, il est cadeau adorable. Que tu as reçu la dernière fois. Là. Mm. Beaucoup de fleurs comme ça. Et puis il a fait rose en l'argent. Ah mon bébé. Moi c'est dans le film, je vois ça. Donc en réalité, c'est possible. Non, il est adorable, il est adorable. Tu as vu le bouquet là? Palais comme ça en l'argent. Et puis c'était euro. Hein. Il est adorable. C'était quoi? C'était pas. Il le tout faisait 5 millions. Yeah. 5 millions. Non. Oh, il est adorable. Tiens. On peut aimer sa chérie comme ça. On peut aimer sa chérie comme ça. Mais tu as été gâté, mon bébé. Et je vois, tu as un téléphone en or. Mon bébé. Oui, oui. Il n'arrête pas avec les cadeaux. Ça, c'est sûr. Il n'arrête pas. Tu es gâté. Oui, parce que on te doute. Oui, c'est lui qui m'a offert ça, le téléphone en or. Non, mon bébé. Il a dit que tout à l'heure, quand tu l'as appelé et puis tu nous as passé le téléphone, on lui a dit bonjour, oui. Pour tu et moi. La voix même du monsieur, tu sens la fracture. Non, moi, c'est important. Toi, tu as parlé de fructure, puis j'allais avec ta fête Yougos. La Yougos, ta vie, c'est pas bon. J'aime pas trop ce pays-là, de toute façon. On doit se garder les gens qui nous ressemblent. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Oui. Un moment. Oui, c'est important. Oui. Oui, c'est ça. Aurélie Dubois et puis... Et puis Frédéric Dubois. Ils sont les seuls deux voix. Et puis, parce que tu imites la montre, tu as trop ri. Ils sont là. Oui. Donc, vous avez vu? Et c'est avec la maman. Ah. La fructuosité, c'est important. Sinon, mm-hmm. ça déteint sur ton teint. Non, c'est pas bon. Ça porte la poisse. C'est important. Oui. Oui. Mais c'est ça. Parce que là, on est sur les champs. Là, on est un peu en train de se déshydrater. Ouais, si. C'est important parce que là, c'est la canicule. Mais c'est la canicule. Elle commence à faire chaud comme de commence malade. À faire très chaud. Et quand c'est comme ça, c'est du champagne. Mais où est le champagne? Il est là. Il est là? Mmh. Bon. Excusez-moi. Il n'est pas là, maman. Ils ont pris une note. Si. Excusez-moi, on ne voit pas notre champagne. Il était là tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous parle de ça? Tour de magie. Tour de magie. Ça derrière. Il dit tour de magie. Ah, il est juste derrière. Oui, il est derrière. Je pourrais en avoir, s'il vous plaît. Il a combien de pales? Tu sens qu'elle a l'habitude même des endroits. Merci. Elle a l'habitude des endroits. Parce que quand tu as l'habitude de boire bien, tu dis, c'est moi là, faut pas venir te brosser. Mon champagne. Tu pourrais en avoir, s'il vous plaît. Non. Vraiment, il faut travailler. C'est important. C'est important. C'est important. Merci. Merci. Il faut travailler. Bon, sinon, tu continues d'accompagner mon cœur. Ça va. Ah, tu ne bois pas beaucoup. Ah, vous dites, c'est beau, ben si. J'ai des reins. J'ai des reins, gars, au DJ. Là. Donc, vrai, maman, si on y va, moi, je vais appeler par mon. Je suis appelée. Mm-hmm. Oh, mon bébé. Ils vont bloquer là, notre place. Vous allez voir que ça sera la même place. Pourtant, où tu es là, où c'est dit là-bas, là, il faut réserver des jours avant. Mais oui, toi, tu appelles même, c'est dit quelques heures avant. Tout de suite. Mon bébé. Mais pour ceux qui sont allés sur la page, mais à la page, ils vont voir que c'est la plupart des footballeurs et tout ça qui sont assis de ce côté-là. Mon bébé, tu es né quel jour? 17 avril 86 à 3h du matin. 3h du matin, où les anges se baladent. Voilà, c'est l'heure propice. Mmh. Où il y a les anges et puis il y a les démons qui veulent s'affronter. Mmh. Donc là, je suis née. Puis les anges m'ont récupéré et puis bercé. Oh, on l'a vu là. Et là, il va s'étouffer. À
Ah, puis tu vas s'étouffer. Ma femme l'a dit. Non. Ah, puis tu vas s'étouffer. Les anges ont récupéré ma femme. Les anges t'ont récupéré. Dans la guerre, ils m'ont récupéré. Mais ils ont dit que vous êtes sérieux. Emmanuela, Jésus, viens ici. C'est pour ça que ma vie est comme ça, maman. On me persécute. Il y a tout ce qui va avec. C'est pour ça. Les gens se demandent à chaque fois, mais comment tu fais pour gérer ça? Bon, c'est vrai. C'est ce que je voulais même. C'était ma question suivante. Non, mais comment tu fais? Non, mais maman, il n'y a pas une histoire de comment je fais. Comment tu voudrais que je gère des gens qui n'ont pas d'importance réelle dans ma vie? Je veux dire, moi, il n'y a que l'amour qui m'importe. J'ai tellement d'amour. Mes parents m'aiment tellement. Et à part mes parents, j'ai vous qui m'aimez tellement. Ah, oui. Et ma love, en fait, qui m'aime tellement. Mais comment à ce moment-là, je m'occupe des gens qui disent ne pas m'aimer? Quand je dis qui disent, parce qu'en vrai, c'est pas qu'ils ne m'aiment pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'occupes pas de sa vie. Ouais. Tu n'es pas en train de gérer qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Il m'aime, mais le fait de ne pas pouvoir être dans mon sillage les frustre. Et je comprends très bien. Du coup, ils pensent que dans leur tête, je suis quelqu'un de méchant ou de je ne sais pas quoi. Et je ne vais pas leur en vouloir. Mais même Jésus, notre Seigneur, a été trahi par Judas qui était à côté de lui. Même Jésus, notre Seigneur, a été vilipendé par combien de personnes. Mais aujourd'hui, nous le prions tous. Mon nom, Emmanuela Jésus, grâce divine, n'est pas en vain. Tu étais un enfant désiré. Très désiré, maman. Ça se voit. Oui. Oui. Grâce divine. Oui. Du coup, quand tout, je vois autant d'agitation me concernant, autant de dénigrement me concernant, je ne peux que dire merci au Seigneur. Parce que je me rends juste compte qu'il est en train de mettre sur moi Fanta. Le sceau, son sceau. Oui, comment tu vas, ma soeur? Oui, tu vas récupérer ta fille. Oui, parce que je suis avec Emma et puis Apuchou, où je suis là. Je suis avec Emma Apuchou, donc où je suis là, je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. C'est ça. Donc, récupère ta fille. Mais mon bébé, là, quand je reviens, on doit aller faire du shopping. Elle m'a dit on doit aller faire du shopping. Donc, je crois que Tracy va dormir chez toi jusqu'à demain. Parce que shopping, j'ai entendu là. Je sais pas. Je sais plus. Bisous, ma soeur. Récupère ta fille, oui. Oui. Bisous, ma soeur, oui. Toi aussi. Où j'ai entendu shopping là? Je vais faire quoi? The shopping. Vous aussi. Ouais. Elle va récupérer sa fille. Oui. C'est important, mon bébé, tu vois. C'est important, maman. C'est important. C'est-à-dire que tu es positive. Oui. Tu es positive. Tu prends la vie du bon côté. Et puis tu aimes la vie. Oui, maman. Tu croques la vie. À pleine dents. Tu dors combien de fois par jour? La nuit, tu dors combien d'heures? Je dors, maman. Tu dors? Je dors. Mais je dors, mais je me réveille tôt. Enfin, quand j'arrive pas à dormir longtemps. Je dors pas longtemps parce que bon, faut que je me réveille tôt, faut que je commence à gérer tout mais la plupart de mes business là, de l'autre côté là-bas, quand je dors, il est matin. Donc je dois me réveiller, répondre, dire je veux telle couleur, je veux pas de cette couleur, je veux de temps en temps. Donc c'est pour ça que les gens la plupart du temps pensent que je ne dors pas. C'est parce que je suis en train de travailler sur des différents projets mais qui sortiront. Moi, mes projets sont pas imaginaires, hein. Tout sort, tout sera palpable très bientôt. Et ils verront. J'ai de nouveaux make-up qui viendront. Voilà. L'usine de mes perruques aussi. Elle m'a envoyé des perruques de malade. Ah ouais, j'imagine. Très bientôt. Donc voilà. Mais à part ça, je ne peux que dire merci à Dieu, ensuite à mes parents et ensuite à vous qui m'aimez d'un amour réel en fait. Voilà, et ma love aussi qui sont là, mais qui sont aussi un support indéfectible voilà, dans ma vie. Quant aux autres, je leur dis aussi merci d'exister parce que grâce à eux, en fait, je sais que j'existe. Parce que on ne jette pas de pierre fou. Un arbre qui ne porte pas. Voilà, mais surtout, maman est fou. On n'a qu'à laisser l'arbre même qui ne porte pas de fou. J'étais Pierre Abbe qui porte. Qui jette Pierre Abbe? Il monte pour cueillir les pommes. Il monte dessus lui pour cueillir les fruits. Là.
Mm-hmm. Est-ce que... Quand même, c'est la terre. S'il n'y a pas terre, il n'y a pas terre. S'il n'y a pas terre, comment on fait? Il n'y a pas terre. Hé, Apoutchou. On peut être timide comme ça. Il n'était jamais vu aussi timide. Pourquoi quand tu es devant Emma, même tu es timide comme ça? Allô? Oui, mon grand frère. Mon bébé, hein? Non, l'argent appartient à Dieu. J'ai vu que quelqu'un a dit l'argent appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ma vie roule, je suis avec mon bébé, Emma et mon bébé. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt le matin, mais qui n'en ont pas. Et qui croient qu'ils ont échoué dans leur vie. Peut-être parce qu'ils ne mettent pas Dieu au devant de tout. Parce qu'en vrai, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà. Mmh. Et comme K.S. Bloom disait il n'y a pas très longtemps, on ne comprend pas pourquoi vous voulez attribuer tout ce qui est sale ou mauvais à quelqu'un qui a de l'argent ou à quelqu'un qui réussit. Mmh. C'est comme si vous êtes en train d'accepter que le diable est... Hey. Bébé. Pardon. Maman. J'ai sali la fille là. Hey, bébé, tu m'as appelé, j'ai sali ma fille. J'ai mis le champagne dans ses yeux. C'est bon. Il manque. La jolie fille là, tu as fait, j'ai mis champagne dans ses yeux. Je suis là pour ça. Bon, je te laisse parce que je parle avec toi et puis... C'est mon coiffeur, mon meilleur ami, mon bébé. Il dit quoi? Il veut t'offrir une perruque. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Tant que c'est toi. Oui. Il t'aime beaucoup. Tant que c'est toi. Il dit, il veut te faire une perruque. Mais à ton image. Il a qu'à limer ça, il a poté. Les vrais cheveux, il veut te faire un truc. Mais c'est-à-dire que tu vas aimer. Ok. On lui dit ok. Ok. Un problème de quoi? Où c'est les choses poulets, là? Bébé, Apoutchou dit, il faut faire que tu fasses housse de je sais pas quoi. Ok, il n'y a pas de souci, anyway. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il faut pouvoir ramponner à la porte. Restez là. Bisous. Parlez en anglais de maman là. Ah, ciao, ciao. Oui. Là, tu faut ramponner quand tu reviens là. Maman. Là, tu faut ramponner une perruque oui, quand tu reviens. Dans 5 jours. 5 jours. Oui. Mmh. Hey, désolé mon bébé. Hey non maman, il a mis champagne dans les yeux. C'est rien mon. Ouais. C'est rien hein? Du tout, t'inquiète pas. Il est plein, fermez ça. Et tu sais comment on appelle ces lunettes là? Non. Plein d'Yves. Plein d'Yves, ça c'est comme accent encore. En fait c'est Philippe Plein. Et Philippe, non tu connais pas Philippe, c'est pas normal. Hein. Mm. Oui c'est pas normal, je suis pas d'accord avec ça. Tu as vu les choses comme ça. J'allais te prendre des t-shirts, des trucs là-bas. Il y a pas espoir de dire qu'on n'est pas. Pourquoi tu me dis j'allais te prendre? Non, je m'en vais prendre. Hein, mon bébé. Mon bébé, je ne sais pas, mais il était donc on n'est plus. Elle. Où est celui-là? Mon dame, c'est pas là. Elle, M. Dans quoi? Elle. Philippe. Maman porte L. M. L. Moi, je mets S. Maman porte L. 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 Elle, c'est bon. Elle aime bien quand c'est un peu synthro. Je vois ces noms-là, les mêmes. Là, je te prends les mêmes. Pochou. Appelle le pompier. Il vient t'arracher quartier là. Non mon amour. On veut même offrir ça là. Tu peux même prendre quartier aller où tu veux. Non mais ça là, c'est la femme. Oui. Toi t'es ma maman. Oui. Mais voilà, c'est ça qui t'a dit. En tout cas, tes lunettes quartier sont très très jolies. Mon bébé. Ce sont des quartiers et ces bijoux sont des Versace. Mon bébé, faut pas faire le champagne là, je sais pas. Il y a devenu ton dans le direct là. Tu as pensé que, je sais pas. Tu sais que j'aime le point. Donc point que tu es en train de me donner là, je sais pas. Ils sont en train de devenir chaud. Ils sont en train de dire. C'est-à-dire que là, on est devant les Emma Love. Tu es en train de dire ce que j'aime. Donc tout le monde est là. Hein. Les Emma points. Love ou... Les caviar ou... Caviar Love ou... Poutchou Love ou... Poutchou Love, tout le monde est là. Tout le monde est là. Regarde le cœur, le rire. Mm-hmm. Ah, vous êtes trop adorables. Oh. Regarde le cœur, ils mettent des cœurs. Mon bébé, tu n'as pas annoncé l'événement. Ou bien, on a qu'à attendre. On va attendre d'abord que les sociétés s'arrêtent dessus. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de lourd. Mm-hmm. Concernant ces trois sommités. Mm-hmm. Attendez. Grandis. On fait. On fait. Mmh. Et puis il n'y a pas Bolou derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Ça chauffe pas, ça oui. Pas les nerfs. Merci. Oui. Oui. On te parle de. Tu es avec Jésus en train de faire un projet. Est-ce que ça peut échouer? Et toi aussi. Non, jamais. Judas n'est plus là. Ça peut pas. Judas n'est plus là. Judas n'est plus là, il n'y a plus. En tout cas, et Judas, qu'il a fini de faire même la folie, la poule, il s'est prendre. Tellement il a su qu'il a fait quelque chose de lourd. Des à Jésus. Nous, non, t'as fait là. Quand tu nous fais là, après, folie, t'es prêt. Vous-même, vous savez ça. Non, mmh. T'as fait là. Quand tu fais car le temps, tu as réalisé la folie, t'es prêt toi-même. C'est bon, tu as été placé. C'est ça. Et puis, merci. Et puis, merci. Donc là, mes caviars, mes ma love. Mais, parce que, tu sais, la dernière fois, mon bébé. Mon amour. J'ai reçu des messages. Pourquoi tu parles plus à ta fille?
Oh, les réseaux fatigués. Eh. On va vous expliquer un truc qui est simple. Oui. Quand l'amour est vrai, on n'a pas besoin de s'exposer H24. On n'a rien à vous prouver, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut se parler là, comme ça, être en train de délirer. Et puis ne pas s'exposer sur les réseaux, puis se parler inbox. Mm-hmm. Ça, c'est notre travail, ça. Mm-hmm. Pas en inbox, oui, toujours. On rigole. Toujours. Voilà, en inbox, on vous parle de WhatsApp. On a nos numéros. Mm-hmm. Et puis souvent, quand on veut vous micher, là, on poste des trucs pour vous montrer que... Coucou, on se parle comme ce que maman a fait tout à l'heure. Mm-hmm. Oh, j'ai vu des étoiles ravissantes qui ont sauté. Oh. J'adore. C'est venu comme ça. Oh, 5000 étoiles. Oh, c'est qui ça? Dis son nom. Je ne vois pas la personne. Je ne vois pas. C'est monté. En tout cas, à toi qui a fait ça, I love you so much. Donc, c'est pour vous dire, en fait, arrêtez d'être trop dans l'émotion sur les réseaux. Les réseaux, là, ce n'est pas toujours vrai. De toute façon, vous avez constaté que certaines personnes. Les réseaux, là, c'est le monde. Là, beaucoup de personnes vous mentent. Mm-hmm. Voilà. Nous, là, on peut ne pas vous montrer sur les réseaux qu'on se parle. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Voilà. On va se parler sur WhatsApp et tout, la preuve. Mm-hmm. Nous, voilà. Il n'y a pas la guerre. Mm-hmm. On n'est pas obligé de s'exposer sur les réseaux. Parce que dans votre tête, en fait, comme on monte tout sur les réseaux, on doit tout vous montrer. Sinon, j'allais vous montrer que c'est quelque chose de Milavo aussi. Mm-hmm. Vous dites qu'il y a des choses qu'on garde pour nous, en fait. Mm-hmm. Et puis, il y en a où souvent on a envie de vous montrer. Donc oui, on vient vous parler. Oui, on vient se filmer pour vous dire que oui, coucou, on est là, tout va bien et tout. On espère que vous allez bien aussi. Voilà, donc sachez raison garder avant de juger ou de dire quoi que ce soit. Mm-hmm. Ok. Il faut mettre la nature. Voilà. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est très important. Oui, maman. Donc il faut mettre la nature pour les ondes positives. Exactement. Parce que où on est assis là, amen, vous voyez, il y a la nature. À la nature. Voilà. Il y a des ondes positives. Exactement. Ça, c'est la nature. Voilà, donc les ondes positives. C'est très important, mon bébé. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Et sache comme que... d'habitude. Voilà. Et sache que toi et moi, ce qui nous lie est vrai. Oui. Ça n'a rien de... On n'a rien à voir avec les réseaux. Les réseaux, quoi que ce soit. On n'est pas en représentation. Voilà. Tu sais combien de fois je t'aime. Je sais combien de fois tu m'aimes. Et combien de fois tu me respectes. Je sais, maman. Comme à Puchou. Oui. Puchou me respecte. Il ne peut rien faire sans demander mes conseils. Oui, oui. Sans demander tes conseils à toi. Et vice-versa. C'est toujours ça. Toujours. Même moi, quand je veux faire quelque chose, je te dis. Oui, maman. Mon bébé, voilà ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tout le temps, oui. Sauf l'histoire du Yougos, là. Là, on a mal vu ça venir. C'est pas un problème. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir comme fille. Merci, c'est une maman. Fierté. Tu es une belle personne. Merci, maman. Et je me retrouve en toi parce qu'on a un peu les mêmes valeurs, les mêmes principes. Maman. Et aussi mon fils, je te dis merci mon bébé. Je suis en train de passer un moment inoubliable. Oui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, même si je quitte la vie, là, ça ne va pas me faire mal parce que dans la vraie vie, je suis aimée. C'est vrai. Ce n'est pas virtuel. Je suis aimée en fait, dans c'est ça. Les gens sont trop dans le virtuel. Ouais. Et ça les consume. Dans le virtuel, je suis aimée. Le virtuel, mais dans la vraie vie même, place, je suis aimée. C'est vrai. Mais la vraie vie est plus importante. C'est ça. Parce qu'une fois que tu es heureuse et aimée et épanouie dans la vraie vie, dans le virtuel, ça se ressent. C'est ça. Tout simplement. Exactement. Tu n'as pas besoin de forcer ou de faire quoi que ce soit. Mm-hmm. C'est ça le truc. Mais ils sont tellement en fait accrochés au virtuel qu'après, arrivé à un moment, ils ont l'impression... Ils ont un besoin de mélanger le virtuel et la réalité. C'est ça. Et du coup, ça vous sort réellement de la réalité. Mmh. Oh, je ne sais pas, mais le bonheur sur terre. Ah oui, le bonheur, c'est ce sont ces petits moments avec les personnes que tu aimes, les personnes que tu chéris autour de toi. Et tout ce qu'il y a de vrai, en fait. Mon bébé, tout à l'heure, quand je t'ai dit au monsieur là, que tu es ma fille, il n'a pas cru. Ah, bah, écoute, parce que c'est jeune. Il dit, ah bon? Parce que c'est jeune. il dit, ah bon? Oui. C'est votre fils, il a dit, sont mes enfants. Oui, il a dit quoi? Il a cru que j'étais ta petite soeur. Où est ton enfant? Il dit que tu es donc, non, qu'on est des copines. Non, copines là, c'est qu'on a même âge. Je t'ai dit qu'il y a 16 ans. Non, t'as pas non, maman. Donc tu es ma petite soeur. Oui. Pourquoi tu fais ça, mon bébé? Donc, j'étais ta petite soeur et la petite soeur d'Apuchou. En tout cas, la partie là, j'ai aimé. Ma petite. Il a dit ça, elle était heureuse. Si vous avez vu dents de maman ici là. J'aurais dû la filmer, elle dit, sa bouche pouvait faire chiant. Elle est comme ça. Elle dit, mais maman, elle m'a dit, mais tu dis, mais... Oh.
La genèse de ça. On peut aimer la genèse comme ça. C'est important, maman. On peut aimer important. La genèse comme ça. En tout cas, mon bébé. Anyway. Je fais des bisous à mes Emalov. Ah, tu n'as pas parlé d'elle. À mes Puchulov. Au Caviar Love. Et puis, je vous aime de tout mon cœur. Voilà. Et on se reprend très bientôt. I love you so.